Alors ici, ben c'est ici que je travaille. OK, ça c'est le lobby. Ouais. C'est là que vous asseyez les textes. Exactement. Puis je travaille avec Alex. Alex. Ben, je l'appelle Alex, mais c'est Alexis son nom. OK. Là, il savait pas qu'on viendrait. Il est tout énervé, il s'est pas peigné. Puis... Ah non, c'est ça. Puis t'as le même linge qu'hier, hein? T'as vraiment le même linge qu'hier. Ouais. Ouais. Exactement. Alors, vous asseyez. Ça fait longtemps que vous travaillez ensemble? Parce que toi, t'étais tout seul au départ. C'est 6 mois. Déjà? Non. 6 mois? Juillet. Ah oui? J'ai l'impression que ça fait quelques semaines. Mais non, regarde, ça va super bien. Mais comment? Ça paraît pas, mais il est vraiment bon. Oui. Ouais. Quand tu t'assois pour écrire, là, vous êtes deux scripteurs. Pour les scripts, t'as une journée qui semble... Mettons, en temps normal, quand tu pars de rien, là, tu t'assois le matin. En fait, le matin, tu commences par après le café, là, tu t'écris le script, c'est ça? Puis tu passes à l'autre étape où tu finis l'histoire le soir, puis tu travailles... Quand? Je suis plus un oiseau de nuit, premièrement. J'écrivais souvent mes textes le soir. Mais non, on travaille maintenant sur plusieurs scripts en même temps. Puis là, ça bloque, puis on le laisse là. Puis là, à un moment donné, on y retourne. Puis là, on a une autre idée. Puis, tu sais, au départ, là, mes scripts, mes premières capsules, j'avais aucun. Je me foutais de ce que j'écrivais. Je voulais juste voir, je voulais juste filmer ma face. T'sais. Fait que j'écrivais, il fallait que je dise quelque chose. Là. J'écrivais quelque chose vite, vite, vite. J'improvisais le reste. Puis ces capsules-là sont sur le site, là. Les capsules sont pas vraiment montées avec un gros punch à la fin. Fait que, tu sais, j'essaie de garder cette spontanéité-là. Tu sais, je rentre dans une histoire, puis je l'écris. On modifie deux, trois affaires, puis that's it. Là, on surécrit pas nos affaires. Ça, c'est un outil où qu'on peut suivre notre trafic. Oh oui! Puis là, tu vois, dans le dernier mois, du 24 décembre au 23 janvier, tu vois, au Canada, on a eu 2 330 000. Tu sais, en France, on a eu beaucoup. Mais regarde, ce qui est étonnant, là, regarde, en Mongolie, il y a eu 9 visiteurs. Ah oui! Non, mais c'est quand même... C'est bien merveilleux, tu peux voir. Au Tchad, on a eu 3. Faut qu'on travaille au Tchad. Oui, Tchad, il y a une petite poussée à faire, peut-être une petite campagne. Au Tchad. Tu vois, au Niger, on a quand même 15. Pourtant, c'est deux pays adjacents. Pourquoi 3 au Tchad, 15 au Niger? Ben, c'est une question de marketing. En Iran, 29. Ouais, bon. Ah, l'Afghanistan, il est c'est ça. Ça, il est jaune. Ça veut dire qu'il n'y a pas rien qui se passe. Il n'y a rien C'est une belle inspiration pour notre jeunesse.